cet ensemble résidentiel du plateau de Fontenay. Un immeuble et son environnement forment un tout. Nous avons pu réaliser un très beau parc entre les immeubles. Nous avons souhaité intégrer dans cet ensemble des œuvres d'art et de design pour le plaisir de tous. Une des choses qui m'a séduit dans la participation ici, c'est que c'est un projet à logement social. C'est un espace de vie normal, si j'ose dire, et c'est ça qui m'a plu. Alors, l'œuvre, c'est une chaise dont le dossier n'en finit plus de grandir. Avec ce prolongement qui va vers le ciel et qui prend un peu le mouvement de l'air, du vent, tout comme les arbres, tout comme les feuilles qui sont constamment en mouvement et jamais en arrêt. Je suis venu ici au début du projet, parcouru en aller-retour les 200 mètres pour imaginer une œuvre dans le dialogue et dans la poésie. À partir d'un thème qui est d'actualité sur les migrants, j'ai imaginé des personnes sur le chemin de l'exil. C'est une création libre. Mon idée, c'est qu'elle existe par elle-même, qu'elle ait quelque chose à dire pour elle-même et quelle est cette vitesse de dessin. Je réalise mes pièces librement et simplement et trouve une destination plus tard, ou elle trouve sa destination plus tard. On a dessiné non seulement ce jardin, mais on a imaginé comment il pouvait s'inscrire dans des continuités, dans des promenades beaucoup plus larges. On est en présence de végétation, on est en ville, on a une densité importante et on s'inscrit dans un tissu existant. Je trouve que ça donne des perspectives sur la manière d'habiter demain.